Donc encore pour continuer mon vlog, donc on vient d'arriver à Dubaï ce matin et donc voilà, on est arrivé vers 6h en fait et je suis vraiment fatiguée en fait parce que j'ai pas dormi pendant le vol parce que j'ai regardé deux films, j'ai regardé Divergente qui était vraiment trop bien, j'ai vraiment trop aimé. Et le deuxième c'était Another Woman avec Cameron Diaz qui était très drôle, j'ai beaucoup aimé aussi. Et donc voilà, en fait on est là un peu à Dubaï pendant 2 jours je crois, parce qu'en fait on devait faire une escale ici pour partir en Thaïlande après. Et donc on s'est dit pourquoi pas visiter un peu. Donc je vais essayer de vous montrer un peu tout ce qu'on fait à Dubaï et après en Thaïlande. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Allez, arrête de me regarder, tu me regardes pas. Non, tu me regardes pas. J'ai un peu honte de filmer dans la rue comme ça. Bref, donc on va aller à la plage et en fait on était à la piscine et on vient juste d'arriver à Phuket et donc voilà, je crois qu'il y a 5 heures de différence avec la France, un truc comme ça, et donc voilà, je suis vraiment très contente parce que c'est super beau l'hôtel et tout ça, et même la ville, on est un peu passé en voiture et donc voilà, j'essaierai de vous montrer un peu mieux demain parce que là il fait quand même assez nuit, je crois qu'il est genre minuit ou 1h ici, mais voilà, moi je suis encore habituée à l'heure d'avant, donc du coup je suis pas du tout fatiguée, mais voilà, donc je vous montrerai tout ça demain. Bisous. C'est genre un café latte. C'est trop bon. Avec les éléphants et comment dire, mais c'était vraiment incroyable, mais vraiment incroyable. Je voulais vraiment pas que ça finisse en fait, c'est vraiment trop bien. En plus c'est vraiment des bêtes super gentilles et très intelligentes et donc ouais, franchement c'est une expérience que je me rappellerai pendant très longtemps. Phuket. Et donc là voilà, on est dans une espèce de parc un peu d'orchidées comme ça, et c'est vraiment très très joli d'ailleurs. Voilà. Et donc après je pense qu'on va aller voir un temple aussi à Phuket Town, donc la ville même de Phuket. Voilà. Des vlogs là. Aujourd'hui c'est le 5e jour à Phuket, donc on est mercredi et en fait vendredi on part à Bangkok, donc voilà. Aujourd'hui par contre il fait vraiment pas beau, il arrête pas de pleuvoir et puis en plus il arrête pas de pleuvoir, l'eau est vraiment très trouble, enfin la mer quoi. Et donc voilà, bon après c'est un peu la saison des pluies donc c'est normal. Puis on a eu vraiment du beau temps au début des vacances donc du coup ça va. Donc je pense qu'on va aller dans un centre commercial qui s'appelle Jung Ceylon, un truc comme ça. Et on va essayer de faire des massages thaïlandais parce qu'apparemment c'est super bien et ça coûte vraiment pas cher. C'est un truc vraiment à essayer quoi. Ah oui aussi j'ai mis l'objectif fish eye, je sais pas pourquoi je le mets jamais. Enfin si bah, je crois que c'est parce que j'ai la flemme de porter les deux à chaque fois dans mon sac. C'est assez lourd en fait et là j'ai trop mal au bras. Bref voilà. Le bordel. Salut, donc là aujourd'hui on est jeudi, donc là il est 8h, c'est super tôt, mais voilà en fait aujourd'hui on va faire la dernière excursion dans les îles, donc au niveau de la baie de Phang Nga, voilà il y en a une qui s'appelle James Bond Island aussi. Salut, donc là on vient d'arriver à l'hôtel à Bangkok et donc voilà, on a une super jolie vue sur beaucoup de choses à Bangkok et ouais je crois qu'on est au 20e étage et c'est assez haut quand même hein, mais bon voilà. on vient un rideau qu'on peut descendre. Et là c'est mon lit qui est énorme, je crois qu'il fait genre 1m80, je sais pas. Et là, on dirait New York, s'il te plaît. Enfin bref, c'est trop beau.